Seigneur, amène-nous dans les profondeurs de tes pensées. Donne-nous d'être remplis de compassion comme toi. Ne permets pas que nous puissions appeler ton nom en vain. Donne-nous de contempler sans cesse ta beauté dans tes œuvres. Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce, paix et joie de là où tu te trouves. En ce matin, nous sommes encore réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toujours en unisson de cœur et d'esprit, avec tous nos anges gardiens et avec tous les saints et saintes du ciel. Éternel Dieu encore, nous venons ce matin te dire le merci dans nos cœurs pour ce nouveau jour que tu nous donnes, pour ce soleil que tu nous donnes encore de voir, pour ta main encore tendue sur chacune de nos vies. Te dis merci pour le don gratuit de la vie. Merci pour le souffle de vie. Te dis merci pour ta paix, pour ta joie, pour ton amour. Bien que nous savons que nous ne le méritons pas, Seigneur, nous voulons tout simplement te dire merci, te rendre grâce. Et en ce matin, Seigneur, mains levées vers ton trône, dans l'abandon total, nous voulons te dire encore, amène-nous plus haut. Amène-nous, Seigneur, dans les profondeurs de tes pensées. Amène-nous, Seigneur, dans les profondeurs de ta sainteté. Amène-nous dans les profondeurs de la sanctification. Amène-nous dans les profondeurs de tes compassions, de ta miséricorde, Seigneur. Seigneur, donne-nous de pouvoir contempler ce que tu es, de pouvoir contempler tes merveilles, même dans les difficultés de la vie, de pouvoir contempler, Seigneur, ta beauté dans les situations et dans les eaux troubles de nos vies, de pouvoir accepter ce que tu es et ce que tu nous donnes par ta grâce. J'avance au large avec mon Dieu. Merci de m'aimer tel que je suis. J'étais choisi pour mon Seigneur et mon Dieu. En ce jour, garde mon cœur pur, prompt à rendre service. Fais de moi un homme façonné par ta présence et la prière, droite et courageuse. Fais de moi une femme façonnée par ta présence et la prière simple et joyeuse. Que tous puissent compter sur moi, que je sois un soutien
pour ceux qui souffrent, que je te présente. Je te les confie à ta miséricorde, que nos cœurs soient semblables aux tiens. Je te présente notre monde pour que tu viennes consoler ton peuple. Donne-leur la joie de ta maison. Aide-nous à être fidèles à nos engagements pour avancer au large et aimer les autres. Apprends-nous à aimer et à servir ton Église. Avec l'aide de la bienheureuse Vierge Marie, des anges et de tous les saints, rends-nous dociles à l'action de ton Esprit Saint. Amen. Alléluia. Seigneur, je veux toucher tes profondeurs. Je veux avancer au large avec toi. Je veux apprendre davantage à demeurer dans ta sainte et douce présence. Je veux réapprendre tout simplement ce que c'est que l'abandon, ce que c'est que l'obéissance, ce que c'est que l'écoute, ce que c'est que le don de soi. Mais comment arriver à cela si toi, l'Éternel Dieu, si toi, l'époux de mon âme, ne m'amène pas dans les profondeurs de tes pensées, dans les profondeurs de ce que tu es et de ce que tu représentes pour moi. Alors Éternel Dieu, qu'il te plaise encore à ce matin, à ton Saint-Esprit et par la bienheureuse Vierge Marie de venir encore faire du bien à nos âmes au travers de la prière que nous avons élevée vers ton trône de gloire et de grâce. Viens encore faire du bien. Viens encore te montrer à chacun de nous tel que tu es. Alors bien-aimé de Dieu, telle est la prière que nous avons élevée en ce matin. De là où tu es, tu peux continuer également à élever et à t'adresser à Dieu avec tes propres mots, avec tes propres soupirs à toi. Et c'est dans cet élan de grâce, cet élan de paix, de douceur, que je te souhaite de passer une excellente journée dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.